Elena s'agenouilla sur le sol, les bras ouverts pour accueillir Ama. « Ama, je suis si heureuse de te retrouver. Je t'aime. Tu es le plus beau de tous les loups. » Il marchait avec difficulté, signe que ses muscles étaient endoloris par l'effort et les chocs d'une bataille violente et brutale. Il lui lécha le visage, puis, ayant fini, fit signe au numéro 2 de la hiérarchie de la meute qu'elle avait son autorisation. C'était à son tour. La magnifique louve blanche s'approcha d'Elena prudemment pour venir lui marquer son respect et son affection en lui léchant le visage. « Tu es magnifique! Mon Dieu que tu es belle! Comment t'appelles-tu ?» En la caressant, la louve fit soudain un grognement de douleur. Elena s'aperçut qu'elle était blessée. Une coupure allait de son oreille, tout le long de son flanc gauche, jusqu'à sa hanche. Cela faisait une ligne de sang rouge discontinue qui souillait la blancheur immaculée de sa fourrure. « Tu es blessée ? Fais-moi voir. » La louve eut un mouvement de recul. Elle regarda Ama qui ne bougeait pas. « Je sais que tu as peur, mais fais-moi confiance. Laisse-moi t'aider. » Elena parlait avec une voix douce, le regard vers le sol, une main tendue sous le museau de la louve. Lentement, Elena lui caressa la tête et très lentement, centimètre par centimètre, gagna sa confiance. « Oui, tu es belle. Tu es belle. Tu es la plus belle. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. C'est bien. C'est bien. Ne t'inquiète pas. Voilà. C'est bien. » Elena fermait les yeux et se concentrait de toutes ses forces, une main sur la tête de la louve et l'autre caressant son corps par petits mouvements allant vers la blessure. Elle avait un pouvoir qu'elle ne savait pas expliquer. Elle s'était rendue compte qu'elle pouvait accélérer la guérison par l'application de ses mains d'une certaine façon. Ce qu'elle ne savait pas expliquer, en fait, était que le champ magnétique de ses mains avait le pouvoir de rechercher dans le corps les cellules souches. Ces cellules si précieuses car non déterminées et capables de reconstituer n'importe quel organe abîmé. Sa main gauche, sur la tête, demandait au cerveau d'envoyer l'ordre. Et la main droite, en balayant le corps, stimulait le déplacement des cellules souches en les guidant vers les endroits en difficulté. Déjà, la louve se sentait apaisée. Elle sentait que cette humaine lui faisait du bien, la soulageait. « Il faut que je te trouve un nom. J'ai lu dans un livre l'histoire d'une louve extraordinaire qui a transformé la vie d'une grande musicienne. Elle est morte aujourd'hui. Elle s'appelait Alawa. Veux-tu que l'on t'appelle ainsi, Alawa ?» Alawa se frotta de tout son corps du côté droit contre Elena, en signe de joie et de remerciement. Elle l'imprégnait ainsi de son odeur, comme pour la baptiser membre d'honneur de sa meute. Puis, toutes les têtes se dressèrent en même temps, les oreilles droites pointées vers le sud, et Ama se mit en mouvement, donnant le signal du départ instantané de sa meute qui disparut dans la forêt.